Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de créativité, blog musical. Attends, je te dis bonjour quand même. Ouais. Je voudrais qu'on parle justement des points de vue. Des points de vue. Alors, je ne te parle pas de ton point de vue, de ton avis, mais du point de vue vraiment de ce que tu vois. D'accord? Regarde, là aujourd'hui il fait beau, c'est quand même assez exceptionnel pour le souligner. Donc, quand je vois un beau temps comme ça, moi, waouh, ça m'amène vers le printemps. Ça m'inspire beaucoup plus que si je suis devant un mur gris ou un mur blanc pour créer des choses. Hein, que ce soit des chansons, écrire des textes, voilà, tout ce qu'on a envie de créer. Et du coup, ça, le point de vue, c'est hyper important. Donc, par exemple, si tu as un bureau et puis que tu es face à ton mur, puis tu dois te creuser la tête pour inventer quelque chose. Devant ton bureau, ça va pas, devant ton mur, là, ça va pas être inspirant. Imagine la même situation, ton bureau, il est devant une fenêtre et là, de la fenêtre, tu vois un parc. C'est quand même beaucoup plus inspirant. C'est beaucoup plus inspirant, voilà, que ce mur là juste devant toi. Il y a des analyses qui ont été faites là-dessus et en fait, apparemment, le top, c'est d'avoir une vue même en hauteur. C'est-à-dire, en haut d'un bâtiment, puis tu as une vue comme ça à perte de vue. Et ça, il paraît que c'est meilleur. Alors, donc, si tu as un souci de créativité, tu recherches des idées, travaille ton point de vue. En tout cas, ce qu'il y a, travaille le point de vue de ce que tu vois devant toi. Alors, donc, par exemple, ton bureau, s'il est contre le mur, tourne-le face à la fenêtre de manière à pouvoir voir à la fenêtre et pas avoir juste ce mur devant toi. Si tu n'as pas de solution chez toi, va à la terrasse d'un café. Et à la terrasse d'un café, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir, choisis une place, tu vois, plutôt qu'une petite rue étriquée. Choisis-toi un café vers une place et du coup, là, tu vas voir une belle vue, tu vois, une vue panoramique, une vue large, une vue grande, une vue lointaine. Bon, si le café il est en haut d'un immeuble et puis que tu vois sur toute la ville, là, c'est le top quoi. Mais bon, t'as pas forcément ça vers chez toi. Donc, t'as ces solutions là. Tu peux aussi utiliser les transports. Dans les transports, ce qui est intéressant, c'est que t'as la vue qui tourne, tu sais, la vue qui change. Toi, t'as le paysage qui défile comme ça et ça peut avoir une sorte d'effet un peu hypnotique. Alors, en fonction si c'est en bus ou en train, ça peut avoir un effet hypnotique qui va modifier ton état de conscience et qui va te mettre dans une sorte d'état comme ça méditatif, pensif. Tu vas être dans tes idées, dans tes pensées et là, il y a des idées qui vont venir. Et si tu n'as pas d'autre choix que de te retrouver devant un mur pour créer, alors à ce moment-là, ce que je te propose de faire, c'est de te créer un point de vue. C'est-à-dire que par exemple, en image de fond de ton ordinateur, tu peux très bien mettre une photo d'un paysage, tu vois. Et alors, je suis d'accord, c'est pas le vrai point de vue, mais c'est toujours mieux si sur ton écran d'ordinateur, tu as par exemple une belle forêt ou un paysage en haut d'une tour, un désert, un paysage, quoi. C'est vachement plus sympa que juste ce mur. Tu peux aussi sélectionner des photos de paysages ou d'endroits que tu aimes bien et puis imprimer ces photos et les mettre sur ton mur. Ce sera toujours mieux que d'avoir ce mur là, ce sera beaucoup plus évocateur. Tu vois, ça va générer l'idée, c'est de mettre des petites graines, d'allumer des étincelles. Il y a un truc qui est assez sympa, c'est sur l'Apple TV, là, la petite boîte pour regarder la télé. Il y a des sortes d'écrans de veille, c'est des paysages, c'est des vues de drones. C'est des drones comme ça qui survolent, magnifique. Genre, tu vois le Grand Canyon aux États-Unis,
des forêts, des déserts. Et ça, tu cherches sur YouTube, tu tapes, je crois que tu tapes écran de veille, Apple TV, ou tu tapes paysage, drone. Tu vois, ça va être des paysages vus du dessus. Et avec ça, tu vas pouvoir, si tu projettes ça par exemple sur ton ordinateur ou sur un écran de télé, ça va modifier artificiellement un petit peu ton point de vue et ça va améliorer les choses plutôt que de te retrouver devant un mur tout gris et tout blanc et tout et pas du tout générateur d'idées quoi. Ça c'est vachement important. Tu peux aussi, tu sais, partir te balader et là ben voilà, tu vas changer un peu d'air, tu vas changer de point de vue. Mais je t'assure hein, vraiment, même dans une même pièce, si tu changes juste d'endroit, c'est-à-dire tu as toujours l'habitude par exemple d'être dans ce fauteuil avec toujours le même mur, le même truc, machin, tac, déplace le fauteuil, change de pièce, vois la pièce d'une autre manière, tu vois. Rien que ça, déjà, ça va t'aider. Si tu as une fenêtre, c'est déjà beaucoup mieux. Si tu as une baie vitrée qui donne sur un jardin, bon là, je sais pas si tu habites dans une maison, un appartement, mais voilà. Si tu as un balcon, tu vas peut-être avoir une vue comme ça. Tu peux aussi, voilà, dans les transports, tu vas voir ce paysage qui défile. Ça, c'est très bien pour t'aider à puiser des idées. Et puis, voilà, tu peux aller simplement sur la terrasse d'un café. Tu vas voir les gens qui défilent comme ça, comme une sorte de paysage. Toi, tu t'impliques pas dans la situation. Tu vois des gens qui passent, des voitures qui passent, des pigeons, je sais pas quoi. Tiens, un chien là qui court. Tu penses à rien, tu regardes pas, c'est un paysage et ça va forcément créer des petites étincelles chez toi, ça va favoriser la recherche d'idées. Donc si tu dois résoudre un problème, si tu dois chercher des idées pour écrire un texte, une chanson, parce que moi c'est ce qui me préoccupe là. Mais ça peut être voilà une idée de voyage, tu sais pas où partir en voyage, tu veux faire une surprise par exemple et tu cherches une idée ou tu cherches un cadeau pour tes enfants, qu'est-ce que je vais acheter, je sais pas. Bah, fais-toi une petite session comme ça d'idées, de recherche d'idées et tu vas voir, ça change tout. Changer le point de vue comme ça, ça va t'aider à changer le point de vue aussi sur tes idées. Voilà. Bon, bah, les amis, nous, vous savez que dimanche, comme d'hab, on se retrouve pour une vidéo pour apprendre à chanter. Et puis bah voilà, pour le reste, n'hésite pas à les fouiller parce que tu sais, donc il y a 3 vidéos par semaine hein, sur cette chaîne. Donc je pense bien que tu n'as pas forcément le temps de tout regarder, mais n'hésite pas, sachant que les vidéos elles sont dispo aussi en podcast. Donc ça, tu vas sur l'appli podcast, et tu cherches Antoine Rudy bien chanté et tu vas avoir toutes ces vidéos format audio. Ce qui peut aussi te permettre de les écouter bah, justement quand tu es dans les transports en commun et tu n'as pas besoin de réseau. Elle se précharge avant dans ton téléphone, ça c'est pratique. Ben moi je te dis à très bientôt, n'oublie pas de prendre les cadeaux, tu fouilles dans la description, prends bien soin de toi, ciao !